Salut Rétrofan, aujourd'hui la petite vidéo porte sur la vending machine HK. Donc voilà cette vending machine HK, assez esthétique, de couleur rouge, donc contrairement au vending officiel. Parce que oui, c'est une vending machine non officielle en fait. Il n'y a pas de sticker Bandai dessus, contrairement aux autres. Donc c'était une machine low cost en fait. Voilà, le plastique est de moins bonne facture. Et l'ensemble des éléments, effectivement, sont de moins bonne qualité. Comme on peut voir, donc même concept que sur la vending V1 en fait. Un display qui présente la collecte. Sauf qu'ici, le display n'accepte pas la taille de display officielle. C'est pour ça que souvent vous verrez des displays découpés en bas en fait. C'était des displays qui étaient mis dans des vending HK. Donc, même système, ben yen à la fin. On tourne la molette et on obtient la carte. Donc voici l'intérieur de la machine. Donc contrairement aux vending japonaises, le mécanisme lui est fixé sur le devant de la machine. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, les vending japonaises, en fait on ouvrait derrière, le mécanisme était à l'intérieur. En fait là bizarrement c'est l'inverse. Le mécanisme est fixé sur la partie qu'on enlève. Donc derrière il y a la petite molette, le display, voilà, donc ça c'est la face avant de la machine en fait. Le problème avec ce concept là, c'est que vu que le plastique est d'assez mauvaise qualité et que le mécanisme est très lourd, il a tendance donc du coup à tirer sur le plastique et à l'abîmer. C'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que ça fait des fentes et des craquelures et ça pète le plastique. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. À l'intérieur donc, comme les autres vending japonaises évidemment, on a une espèce de trappe à cartes, voilà, avec un système de poids qui appuie sur les cartes pour les faire descendre. Et évidemment, donc, comme on peut voir, le mécanisme ici. Donc à la petite molette derrière qui fait tourner le mécanisme, et là, donc, les pièces qui rentrent, boum. Et voilà, merci de m'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z.